deuxième tête. Miaou. On se retrouve sur un nouvel épisode de Earthbound. Non, pas 2, c'est Earthbound 0 sur NES. Et je vous retrouve non pas sur le menu, mais sur le jeu, parce qu'il fallait que je cherche en off un passage pour pouvoir continuer, tout en montant de niveau. J'ai monté de niveau une fois. Et j'ai trouvé un pass sur la route. Et je demande à ce... Enfin, je demande à ce chien de me laisser passer. Cette usine est une propriété privée de Monsieur Duncan. Montre-moi ton pass. Donc, je fais quoi? J'utilise mon pass? Ok, d'accord. Bon, si c'est un coyote... Le pauvre, il va pas faire long feu. Ok, nous voilà dans une usine. Ah, et avec des trucs à l'intérieur. Torche. Wouah, les ennemis ont l'air balades ici. Les ennemis ont l'air badass ici. Bombardier. What? Il m'inspire pas confiance lui, bombardier. Ça a servi de quelque chose de faire ça? Castagneur. Docteur Maboule, sérieusement. Eh, hey, ils sont badass. Ils sont badass par ici. Bombardier approche. Heureusement qu'on est assez puissant. Torche approche. D'accord. D'accord, Varda. Ok. Pierre psy épée. Bombe. Ah, donc voilà. Castagneur. Cette technique fait mal. Vieux robot. Oui, il fait mal. C'est dangereux par ici. Je m'en fous des bombes. Il est rapide le docteur Maboule.
Ok. Ouf. Eh ben dis donc, on s'en est bien sorti. Ah, ça marche aussi sur les échelles. Eh ben dis donc, Ness, il a pas envie de se calmer. Hein. Est-ce que c'est vraiment par là qu'il faut aller? Pierre psy. Ah, d'accord. Mais ça s'utilise plusieurs fois. C'est cheaté. Et niveau 20. C'est bien, on monte de niveau. Par contre, on n'a pas augmenté d'HP. Ça, c'est un peu naze. Enfin, on a augmenté un d'HP, quoi. C'est... What? Il fait qu'un dégât. Mais par contre, je suppose qu'il peut s'auto-détruire. Ça, à mon avis, je suis sûr. Faut pas se fier à cet ennemi. Oh, on les one-shot, ceci. Enfin, ceux-là. Enfin, ceci, ceux-là. Voilà. Bon, bah, one shot. Mais non, pourquoi tu fais moins de dégâts? Au revoir, le castagneur. Oh! C'est bien ça si on détruit le docteur Maboule en un coup. Faudrait peut-être voir à ne pas exagérer. Aïe, c'est pas gentil ça. Bombardier. Ouais, c'est ce que je pensais. C'est ce que je pensais, il est puissant. Et je me... Enfin, on me leurre pas, moi. Ah, on a trouvé la bonne entrée. Ça sert ça? Eric? What? Mais attendez une seconde. Déjà, on va jeter ça. On devrait pas avoir des personnages dans notre équipe déjà. Au revoir. Je sais pas si c'est assez puissant ça, la crème revie. Presque du 30 de dégâts, hein, le robot.
le bon endroit? Non, toujours pas. What? Mais... Oh là là, mais comment dire, j'ai... Et allez, t'as lui qui m'explose à la face. Bon bah alors du coup... On peut par là. Ok. Ah, du pain, on s'en fout. Allez, suivant. Aïe. Eh ben j'ai tout ce qu'il faut sur moi pour m'en sortir, on dirait. Et on passe encore de niveau. C'est cool. J'ai l'impression que c'est pas la sortie. Eh non. Je me demande c'est quand qu'on sort de cet endroit. On verra bien. Ah, bombardier détruit en un coup, c'est bien ça. Et donc, faut faire quoi? C'est par là, hein. Je suppose. Tellement grand ici. Eh, tu détruis cette torche en un... Ouais, bon, bref. Ok. Trouvera jamais, c'est pas possible. C'est pas plus mal qu'il s'enfuit. Chose me dit qu'on va rester bloqué ici un bon bout de temps. Oh, 100 points de vie. C'est bon, on a dépassé les 100 en termes de dégâts. Allez hop.
J'espère qu'avant la fin de cet épisode, j'aurai le temps de voir. Enfin, de pouvoir sortir de ce labyrinthe. C'est vraiment un labyrinthe de ouf ici. Peut-être là. Alors, on va voir. Ok. D'accord. Il y a un truc que j'ai pas compris là, je pense. C'est bien par là qu'il fallait aller, non? Enfin bref, on a pu sortir. Oh mon dieu, 104 de dégâts. Les dégâts sont un peu aléatoires. Un quoi? Un puma? Ah, désolé mon chaton, mais au revoir. Il avait l'air puissant. Il m'a infligé beaucoup de dégâts ou c'est moi? Un puto? Non merci. Un camion fou! On va le calmer, hop! Il n'y a plus qu'un tas de ferraille. Bon, on n'a plus qu'à aller régénérer nos PV. Enfin, et sauvegarder aussi, plus important. Est-ce qu'on peut ici? C'est quoi? Service, non? Hôtel, peut-être là. Ouais, allez. Reviens quand tu veux. Tous les patrons de restaurants aiment la musique. Je pense aussi qu'un peu de spaghetti est délicieux. Un restaurant, joyeux restaurant. Ça te plaît? Non, pas tellement. Et heureusement que je t'entends pas chanter, Dieu. Dieu merci. Ah là là. Encore une fois, cette gestion du déplacement avec Ness. C'est pas la meilleure chose que j'ai vue dans un jeu vidéo. À qui viens-tu? Oh, mais. Ça, c'est un problème. J'ai l'impression que j'aurais déjà dû avoir quelqu'un dans mon équipe. D'abord, montre-moi l'argent, ensuite, je ferai mon. Bien. Toi, les soins coûteront. Mais non, mais t'as rêvé, toi. Vous avez vu à combien il vend ses soins, là? Vraiment, quoi. Le mec, y a aucun toupie. Je pense que c'est dans le bâtiment où il y a marqué service où il faut aller. Bah, dev. Là, ici, là. Ah oui, voilà, c'est ici. Et se reposer. Donc voilà, cet épisode est terminé. On aura pas mal voyagé dans ce long labyrinthe qu'est un labyrinthe. C'était la propriété de Duncan, si j'avais bien compris. Ce que m'a dit le chien, bon voilà, c'est ça. Donc normalement, oui, j'ai bien compris. Donc cet épisode est terminé. N'hésitez pas
à commenter, à pousser et à partager autour de vous ce que vous venez de visionner. C'est très important. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et pendant ce temps, bah moi j'ai juste à vous dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao mes minous.